comprennes, est-ce que c'est... Tu sais, t'as comme un 10 ans de différence dans toutes les affaires. Ouais, que... C'est ça, tu sais, c'est comme... Yo, ou c'est comme, est-ce que j'allais sortir avec toi? J'allais, on était-tu en train d'entamer une relation, de faire whatever? Non, go fucking for it! Ça a été genre, à un moment, il est comme... J'découvre la sexualité, ah ouais, pitoun! C'est okay. Chiant, non, okay, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Non, c'est moi qui fais le l'introduction. Oui, oui, bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Sophie va nous partir ça. Bonsoir, la caméra est là. Okay. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue au podcast du... Attends, elle a le fil pogné dans le genre. Okay. Bonsoir. Alors, bienvenue au Pit Stop. Qui est le Pit Stop. Oh ouais, le Pit Stop, Pit Show. Pit Show, ça, excuse-moi, qui est le podcast de Sylvain. Alors ce soir, en fait, on a changé les rôles. C'est moi qui va interviewer les gens, dont Sylvain, oh parce que God. Sylvain, en fait, il parle jamais. Fait que ce soir, il va faire partie des invités. en fait, on a Chloé Perrault-Dion, qui est une amie à moi depuis 2012. Donc ça fait presque 12 ans. Non, ça fait au moins 13. Non, on est en 2024. 2012 à 2024. Ah ouais? Non, 2012, ça fait comme 12 ans. Là, c'est ça que j'ai dit. Mais ça fait, t'as dit que ça faisait moins non, que... Non, ça va faire 12 ans. Les mathématiques, ça va. OK, 24 moins 12, ça fait 12. Donc... quand on fait un mauvais calcul, il faut prendre un shot. Exactement, un shot. Je pense que toutes les règles de la soirée, à chaque moment que vous faites une erreur, vous dites quelque chose de déplacé, vous devez prendre un shot. Un peu comme les recettes. OK, mais fais juste un alors que la bouteille ici, c'est Chloé, ça fait longtemps qu'elle n'a pas utilisé les mathématiques, fait qu'on a eu un problème ici pour commencer, mais bon. Ensuite, on a Cliff. 2 plus 2 is 4. Cliff, qui est aussi un ami depuis 2012, que j'ai rencontré en même temps que Chloé, puis que, voilà, on est restés amis depuis plusieurs années. C'est bon, et qui est chef personnel. C'est un chef, alors je vous encourage... Pendant que toi, t'as faim! Sur Instagram, alors il peut faire des traiteurs à domicile et tout. Et on a Sylvain Pitre, qui est mon voisin direct, qui a beaucoup de choses à raconter aussi. Là, ben, on est dans nos studios, là. Ouais, on est dans les studios du Pit Show. Fait que... c'est ça. Fait que ce soir, en fait, on va avoir plusieurs sujets. Mais le premier, en fait, c'est qu'on réalise qu'ici, on est plusieurs personnes très différentes. Donc, on a Sylvain, 47 ans, célibataire. C'est pas vrai. Depuis 10 ans. On a Cliff, 30 ans, célibataire depuis, mettons, 2-3 mois. Aïe, aïe, aïe. 4 mois pour être exact. On a moi, célibataire depuis à peu près 6 ans. Let's go! Oui, 30 ans, célibataire depuis au moins 6 ans. Puis on a Sophie ici, mère solo parentale, célibataire depuis officiellement, mettons, 1 an et demi. Là, j'ai fréquenté, mais célibataire depuis au moins 4 ans, mettons. Sinon, le vrai est peu réduit. Donc, on a réalisé qu'on avait beaucoup de choses à parler. Puis qu'on a beaucoup de sujets qui, finalement, on... Chloé arrive. Avez-vous chaud? Ouais. Moi, je trouve tout le temps qu'il fait chaud en studio. Je vais aller ouvrir la fenêtre, continuer. Donc, premièrement, j'aimerais en fait que tout le monde me parle de son expérience en tant que personne célibataire, selon leur groupe d'âge et expérience depuis. Fait que Sylvain, tu peux commencer sur c'est quoi être célibataire à 47 ans, depuis 10 ans? Comment tu vis ça? Puis qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Sérieusement? Ouais. Ben j'ai pas grand chose à dire, sérieux, là. Rendu à un certain âge, tu sais, on se fait une raison, là. Tu sais, c'est trouve-toi une bonne série à écouter. Attends, mais toi, t'as un enfant, donc t'as déjà un enfant. Non, c'est ça. Non, t'as pas le besoin de procréer, mettons. J'ai eu le trip procréation, j'ai eu le trip maison, j'ai eu le trip totale défense d'un bar, j'ai eu le trip. Tu sais, je veux dire, t'as vécu, là. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire de drogue, de comportement, de... Fait c'est sûr que... Quoi? Elle t'en a su. Non, ben là... Chloé a un peu des problèmes de drogue. Hein? C'est célibataire depuis 6 ans, qu'est-ce qu'on dit ici? T'en as su, t'en as su. Je sais pas trop. I got some in my bag too, bro. Non, mais là, tu sais... Mais mettons, est-ce que... Excuse-moi, non, mais... déconcentrée toute la soirée. C'est comment dater à un âge? Parce que là, veux pas, nous, on a 17 ans de différence. Là, moi, je date plus, là.
OK. Tu sais, je veux dire, tu sais, j'étais allé sur des trucs de rencontre, puis, tu sais, là, ça fait quoi, 8 ans, 9, 10 ans, là, tu sais, je veux dire. Puis j'étais allé, là, sur, t'as-tu cassé ton... Non, ouais, là-dedans. Il a craqué un peu. Il a craqué, hein? Ouais, c'est on a changé pas entendu le petit crack. Ouais, c'est soit la dent, soit le bar. Qui regarde, ouais, ouais, c'est le bar. Non, oui, il va y avoir des coupes au montage, okay. C'est ça. Ouais, c'est un instant, s'il vous plaît. Puis là, ben, juste pas prendre le micro dans vos mains et crier non, dedans. Non, je sais, je m'excuse. Parce que on n'entendra rien de toute façon, qu'est-ce que tu dis. C'était un one-time thing, c'est comme un. Hey, don't worry about it. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Désolé. Sinon, okay. Je peux trouver d'autres choses. Non, non. Ouais, c'est le pénis à Sylvain que ça fait longtemps qu'il est. Après ça, tu voudrais plus de choses. On va changer le genre de podcast. Ok, on s'en vient sur XXN. XXN, wow! Tu voudrais plus de micro après. Je veux dire. J'ai un autre micro pour toi, ma cochonne, la fois. Chante dans le micro. Bon. Ok! Bon. Non, mais c'est ça. Je vais couvrir ma jambe ici. Ouais, couvrez-vous les filles. Okay, bref, parce que donc, là... Sylvain. Non, mais c'est ça. Moi, gars, ça fait un boîte là, que je suis seul. Fait que. Non, mais. Un autre shot pour madame. Ah, oui. C'était quoi la question originale? Non, mais c'est quoi être célibataire à 47 ans? T'as dit qu'est-ce que tu veux? What's up? Ben, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment n'importe quoi, là. Parce que, tu sais, c'est vraiment sur le pareil, pis ça. Tu sais, mettons, là, que je check, mettons, une fille de 47 ans, mettons. Elle veut plus le gars, là, qui, tu sais, là, qui... Elle veut le gars comme établi avec un bateau, un chalet, pis... Non, mais, tu sais, on se comprend, là, tu sais. Parce que là, eux autres, ils se sont fait chier avec des gars. Fait que là, ils veulent absolument avoir un gars, mettons, tu sais, au top du top, là. Mm-hmm. Tu sais, il y a genre 1% des gars que c'est ça, là. Fait que là, ouais. Mais tu sais, en tout cas. Non, mais justement, mettons, est-ce que c'est pas grave. Est-ce que tu vois, mettons, la pression d'une femme à ton âge qui aimerait mieux quelqu'un avec de l'argent? Est-ce que tu ressens ça? Oui. Mais de toute façon, ben non, parce que là, je date pas, puis... Non, mais mettons, en général, justement... Mais c'est pour ça que tu dates pas, parce que tu ressens ben, je date pas aussi là. Parce que je sors pas... je veux dire, j'ai comme perdu un intérêt. Ça donne pas envie, hein, c'est ça. Ça donne pas envie de sortir et de rencontrer des gens quand que. Pour vrai. Tout le monde sont juste axés sur ça, genre, comme le paraître envers les autres. C'est même pas pour envers toi, c'est envers les autres. Ben, tu sors à quelque part, c'est ça, là. C'est comme, veux ou pas, si tu compares une femme de 47 ans avec un homme de 47 ans, puis qu'est-ce qu'elle recherche, puis qu'est-ce que lui recherche. Ils seront même pas rendus dans la même place non plus. Là. Non, c'est ça. T'sais, autant que quelqu'un a 30 ans là, toi, et quelqu'un a 30 ans moi, complètement on cherchera pas quasiment la même chose non plus. Tu sais, c'est comme... C'est vrai. I just fucking realized. Sylvain, il y a déjà sa fille. Fait que tu sais, comme on disait... Moi, c'est sûr que le trip enfant, c'est fini. Non, mais t'as au moins réalisé, genre, t'as accompli... Peut-être, je vais rencontrer une fille, puis elle va dire, je veux un enfant. Mais au moins, t'as rencontré un peu, genre, tu sais c'est quoi l'amour de la vie, tu sais c'est quoi, genre... Tu chercheras pas quelqu'un qui veut peut-être nécessairement avoir un enfant, genre, absolument. Puis la maison, puis le site, parce que tu l'as déjà, fait que ça t'enlève déjà des options, genre, ben mais tu vois, ça c'est quelque chose, ça c'est quelque chose comme ça qui vient chercher peu importe l'aspect, parce que admettons si moi je compare moi dans ma vingtaine où est-ce que admettons il y avait des femmes de 47 ans qui me contactaient, c'est comme ces femmes là ces femmes là recherchaient juste un certain plaisir, ils ont toutes qu'est-ce qu'ils ont besoin, elles voulaient avoir le petit jeune, exactement, puis tu sais de la même manière que ces femmes-là recherchent un certain plaisir, c'est aussi l'aspect que, peu importe s'ils sont en couple ou whatever, ils ont un arrangement avec leur mari. Exact, c'est un couple ouvert, Exact. Puis là, maintenant, tu tombes dans une situation où est-ce que, je sais pas, tu sais, que ce soit la femme encore, justement, qui cherche quelque chose, genre toi, en tant que jeune, est-ce que tu projettes plus loin? Est-ce que tu fais juste profiter? Est-ce que c'est juste comme, you know what, c'est du plaisir maintenant, that's it? Mais tu sais qu'avec la femme de 47 ans qui a un mari, elle va pas le laisser pour toi, là, on s'entend? Non, comme, t'es obligé de te mettre ça dans la tête, elle va pas le laisser pour toi. So, tu sais, c'est comme, c'est la même manière que lui, que Sylvain, en tant qu'homme de 47 ans, s'il voit une fille qui est...
On va-tu leur dire? J'ai 47 ans. C'est ça, c'est comme, admettons, ils ont. Bientôt 50. Ok. On va avoir ça. J'ai là, je vais avoir ma carte de. Ah, oh, je de pas les rabais sur le métro. Les jeudis à la pharmacie avant 10h. Ok. Bon, je vais prendre le shot parce que je l'ai insulté un peu. Bon, ben, c'est tu l'as fait dehors. Peut-être d'achat de game, bro. Arrête! You don't disrespect the elderly. Yo! Yo, t'es plus vieille que moi que quelques mois, so respecte-toi. Anyway, salut. Moi, je suis la plus vieille. Non, en mais cas, pour en okay. venir à ça. Ouais, ok. Mais, okay, juste, mais... juste terminer, qu'est-ce que ouais. je disais, tu sais, c'est comme à la fin de la journée, tu sais, c'est comme. C'est le même principe que la fille qui est dans la vingtaine, qui va se mettre avec un homme plus vieux, puis tout ça. Oui. Tu sais, c'est comme. Oui, oui. Il y a déjà tout, il n'y a rien besoin de construire, whatever. So, c'est comme. Mais justement, là, on va revenir aux enfants. Fait que là, de plus en plus, on vieillit. Ouais. Moi, j'ai 31, vous, vous avez 30, toi, t'as 47, t'as déjà ta fille. Moi, j'ai... Non, mais... OK, là, je mélange. Non, mais dans ma on tête, arrête de dire l'âge. Non, mais... Tu sais, dans ma tête, j'ai 30 ans. Peu importe l'âge. Moi, j'ai déjà mon enfant aussi, là. Non, mais je veux juste revenir sur... Peu importe l'âge. Moi, j'ai mon enfant, toi, t'as ton enfant. Vous, vous n'avez pas d'enfant, à ce que vous sachiez. Ben, toi, tu savais un Christ. Toi, tu sais pas. Mais... T'en as eu un? T'en as eu un, mais tu sais pas où? Ouais, c'est ça. Hold the point of non, mais justement, hey! Plus vous vieillissez, mettons, tu sais, Sylvain puis moi, on a déjà nos enfants, on sait déjà un peu qu'au moins, on a accompli un peu le but ultime de la vie d'avoir des enfants. Bon, pour, là, je respecte ceux qui en veulent pas en passant, là, mais je dis ça comme ça. Mais mettons, vous vous rencontrez, toi, tu rencontres quelqu'un, parce qu'à 30 ans, c'est très probable, ou même à 47, qu'on a eu... Non, mais là, arrêtez de rire à chaque fois que vous dites ça. C'est juste qu'on s'en passe, ça n'a pas de sens. Tu sais, j'écoute même plus que ce que vous dites. Est-ce que t'as 47 ans? J'en ai juste 47! Ok. J'écoute même plus que vous. Yo, pour vrai, t'es un peu disrespectful. Ouais, bon, bon, shit. Qui que vous dit? Yo, my leg is... Oui, toi? Non! My game leg is strong, bro. Ok, bon, je continue ma phrase. Coupons le montage. C'est juste très probable qu'en vieillissant, quand on date, quand on est célibataire à 30, 30, 32, 34 ans pour Sylvain, c'est très probable qu'on rencontre des gens qui ont déjà des enfants. Genre, c'est quoi votre position par rapport à rencontrer des gens qui ont déjà des enfants? Sachant, mettons, peut-être qu'ils en voudraient plus jamais ou qu'ils en veulent d'autres. T'sais, c'est quoi votre feeling? Je veux juste entendre les gens, genre, honnêtement, puis straight up, là, genre, mettons que tu rencontres... Les gens qui n'ont pas d'enfants, non, tu oui, entends comment que c'est? Moi, honnêtement, moi, là, mettons, Chloé, mettons, toi, t'es un gars, t'as pas d'enfant, t'en veux pas, tu rencontres moi qui est fabuleuse, tu veux sortir avec moi, mais j'ai un enfant, puis ça te turn off complètement, genre, je veux straight up savoir, est-ce que ça te dérange à un point que, genre, c'est un non, puis je veux l'entendre, tu comprends si c'est ça? Voilà. Je pense que, sans me dire que si, moi, j'étais à la place d'un homme, mais juste moi... Peut-être à la place d'une oui, femme toi, qui je rencontre quelqu'un qui a un enfant. Tu sais, il y a des gens, on dirait, fait le nombre d'enfants que t'as. Ouais, ça après oui. ça, l'âge qu'ils ont. Après ça, c'est comme ça va tout rembarquer là-dedans. Parce que est-ce que je suis vraiment, genre, est-ce que je suis prête à embarquer dans ce rôle-là de peut-être belle-mère? Ok, mais attends, je vais t'arrêter ouais, tout mais, oui, mais, ouais, mais toi, t'es belle-mère, ok? C'est pas toi qui as fait les enfants. Puis probablement que la probabilité, c'est que le père, il n'y a pas la garde complète aussi. Donc, mais c'est plus facile pour toi. Ouais, pourquoi? Ça reste la probabilité. Donc, mm-hmm. c'est plus facile pour toi d'être quand même un homme qui a des enfants parce qu'il les voit une fin de semaine sur deux. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça. Fait que moi, je parle, mettons, plus à l'inverse. Toi, t'es une femme, là, t'as pas d'enfant, mais mettons. Tu sais, moi, je sais que c'est plus difficile parce que moi, mon esti d'enfant que j'adore, mais... je l'ai 24 heures sur 24. Mais exactement, mais attends, comme tu me poses la... Attends, tu me poses la ouais. question. Tu me poses la question, mais je le revire en tant que moi, femme, qui en a ouais. pas, mais que j'irais peut-être. Est-ce que, genre, j'irais dater un ça homme serait quoi que... tes paramètres, mais, genre? Tu sais, c'est justement comme l'homme que des enfants, mais que c'est pas pareil comme la femme qui va vraiment s'en occuper, whatever. Écoute, mais on n'est pas... T'as-tu le goût d'avoir des enfants avec l'homme qui s'en occupe pas tant de ses enfants? Ben ça, c'est sûr que non, là. Déjà, hey, mais, déjà, tu penses que je vais donner quoi, genre? Non, mais tu viens de me répondre, oui, c'est ben bon. Oui, c'est... Ouais. Hey. Ouais. C'est sûr, ouais. c'est quoi je te donne? Exactement ça, tu tombes à terre, c'est tout, là. Mm-hmm. À un certain point...
Fait qu'au final, tu vas pas t'investir. Tu me montres exact. Comme que je veux des enfants ou que je ne veux pas des enfants, si tu ne t'occupes pas de tes enfants, et que tu en as, get the fuck off, je vais prendre ce que j'ai à apprendre de toi. Un pénis. Exactement. Mm-hmm. Et c'est tout, genre, tu vois? Ouais, c'est ça. Don't forget. On comprend. Don't forget. Non, non. Oui, fucking forget. Ben oui, c'est ça. Non, on sait vous autres. Non, comme... on sait que vous autres, vous oubliez toutes ces affaires-là, tu sais. Non, 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 attends, non, attends, pour vrai, non, pour non, mais vrai, attends, t'es même pas dans cette... quoi? T'es même non, pas dans cette situation-là non, mais parce j'ai que t'es vécu... pas comme ça, toi. Non. J'ai vécu cette situation-là parce qu'au final, check, j'ai été en couple avec une fille qui avait un enfant puis tout ça. Au final, cette fille-là... Ça aurait dû poser la question à lui. Ouais. Non, mais là, la question est à tout le monde. C'est ça. Au final, cette fille-là m'a trompé. Sauf comme, moi, je tombe dans une situation où est-ce que... je suis plus attaché à un enfant que cette fille. Yo, I'm out for that shit. Puis tu comprends, tu sais, c'est comme... j'aime me faire tromper, puis là, c'est comme... Ouais, vraiment. Fuck, je suis même pas fâché, je suis même pas fâché avec le fait. J'ai fucking fâché. Mais c'est pour ça que moi, mettons... Tu viens de rentrer dans les sentiments, tu viens de rentrer dans les sentiments. C'est moi, moi, si moi, je fréquente... Il y a personne qui va voir mon enfant comme un copain, tu comprends? Mais t'es un tonton, t'es un ami, t'es un cousin, mais genre ça... tu vas pas voir, tu vas pas t'attacher à mon enfant là. Mais ça c'est non. Mais ça à la base, ça à la base, admettons dans ta situation, c'est non moi je comprends. C'est les règles de base, tu sais, c'est comme ouais, ça, mais c'est mes règles de base. Non, c'est mes règles de base. Parce qu'il y a plein de femmes. Selon qui? Il y a plein... Non, selon mais attends. Règles de base. Il y a plein de femmes selon, qui présentent des gens. Non, non. T'sais, moi, je connais plein de monde ici. Là, ça a pris un mois qu'ils ont présenté leur enfant à les chums. Genre, non, moi, c'est non. Tu vois comme ça? Tu vois comme ça? Ça, ça peut être quelque chose qu'on peut dire qui est irrationnel. Qui est, qui moi, je suis rationnel. Ou peu importe. Je suis blanche, mais c'est culturel pour moi. Ouais. Tu sais, c'est comme. Je te donne un exemple, genre. Moi, j'allais mettre sur le banc là-bas. Ma mère puis mon père sont séparés depuis que j'ai 2 ans. Mais c'est ça, c'est comme je disais, tu sais, c'est comme mon père puis ma mère sont séparés depuis que j'ai 2 ans, ok? Ouais. Ma mère, je crois que je peux compter sur mes doigts le nombre de personnes qu'elle m'a présentées. Mon père, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose de différent, puis c'est vraiment, comment je trouve ça? Lui... il recherchait vraiment à avoir cet amour qu'il y a eu avec ma mère, qu'il a perdu. Donc, c'est comme, oui, j'en ai rencontré plus. Mm-hmm. Mais tu vois, comme, l'aspect reste quand même que ma mère m'a jamais présenté quelqu'un ou whatsoever tant et aussi longtemps qu'elle n'était pas sûre. Sûr, c'est ça. Puis comme, exact. Mon père, oui, il a été plus sûr que ma mère sur différents aspects. Ou comme, ah, oui, j'en ai rencontré plus. Les hommes sont plus faibles aussi. Ouais, oui, c'est un aspect, t'as un aspect. La dépendance, qu'ils ont besoin. La dépendance, le sentiment émotionnel qui fait en sorte que... Mais ça, c'est prouvé en passant. Là, c'est pas parce que je dis ça parce que je suis féministe ou whatever. Les hommes sont pas capables de rester seuls. Là, Sylvain, props to you. Genre, bravo à toi, en français. Ben, mais honnêtement, les hommes, c'est ça qui arrive. C'est que c'est prouvé par le complexe de Samson et Dalila dans la Bible, dans ci, dans ça. C'est prouvé que l'homme, il peut pas rester aussi seul qu'une femme. Fait que quand on dit ça, c'est pas pour dénigrer, là. C'est juste que, honnêtement, l'homme a ce besoin d'avoir plus de relations que les femmes. Donc, nous, on peut rester seul plus longtemps. Fait que, it makes sense que ton père représentait plus de femmes à toi que ta mère aurait représenté d'hommes aussi. Puis, ouais, c'est juste, c'est scientifiquement prouvé en passant. Là. Fait que, je veux juste vous dire que c'est, ça sort pas de n'importe où. It's not LGBTQ. Mais ouais! Ok, on prend ça, c'est un sujet. Après ça, on peut embarquer là-dedans. Let's go! On vous revient avec... Attends, une smoke, mon ami! C'est ça, let's go!